Bienvenue sur le plateau du journal de 20h. Ce sera ce soir une configuration inhabituelle. Nous allons pris l'antenne un peu plus tôt. Nous restons ensemble jusqu'aux alentours de 20h30. Avec bien sûr l'actualité du jour, mais aussi une page spéciale pour célébrer les 50 ans du journal télévisé, en compagnie de plusieurs invités, tous un très célèbre représentateur du journal. Certains sont depuis ce matin en France 2. Ils ont réalisé eux-mêmes une partie des reportages de cette édition. Mais voici au travail à peu près. Il était très appliqué ce matin. Peut-être pas bien la semaine. Oui, mais ça me permet, quand on a l'expérience du premier jour de télévisé comme tout sur moi, on s'adapte à tout. Et quand il a touché et qu'il se rencontre tout comme on est 150 ans. Sur moi, c'est comme un souvenir permanent de 50 ans de télé, et dans n'importe quelle circonstance. Alors ça fait plaisir de retrouver la plus grande. Et ça fait plaisir aussi de retrouver dans les segments. Journaliste depuis 1945. Il faisait également partie de la bande des pionniers de l'actu, vivant, repris, à l'esprit plutôt repère. Mesdames et messieurs, bonjour. Début d'une semaine diplomatique, voici le titre de son édition. Sauf que le dimanche, les Géorgie n'ont pas pu résister à l'envie de s'asseoir à la place du présentateur. Il y a une tellement qui vient de nous, il avait commencé dans les années 60. Comme le peu, donc, vous me demandez de vous, mademoiselle Michaud, on peut avoir une époque à un petit nouveau pour initier la France à l'économie. Et bien, ici, il est venu. Comme Pierre Duhallier et son ironie toujours aussi montante, il se demande dans les années 50. Donc, sans une chose, enfin, deux images et deux outils dans les années 70, avec un soldat d'orchestre très personnalisé, venu pour cet anniversaire saluer son vieil ami, Jacques Dutroux, espion du monde pertinent de la part de la Réunion. C'est tout comme nous, que nous avons l'air de s'amuser tous ces journalistes, comme ce qu'il y a. 1949, c'était donc l'année 2007, c'est le journal télévisé, et tout a commencé par une simple figure un peu particulière, puisqu'il concernait le mythe de reportage en même. Voici la première image du premier journal télévisé. C'est exactement la première image du premier reportage. On voit un panneau au-dessus de Paris, avoir le premier panorama, Michel Bakevitch, c'est le premier journaliste, grâce à la accident. Or, avec une ligne haute tension, le premier scoop, le gardien de ce document qui était tourné, c'est encore aujourd'hui une ligne. Dans quelques mois, ces archives, la presse écrite du 27 juin 49 apporte quelques indices. Le professeur de France de TSF a écrit pour suivre de l'édito et de l'usine, l'autorité aussi du voyage et du pays. Quand un examen approfondi confirme l'acte de naissance du premier journal. La télé française a inauguré hier soir une série d'émissions quotidiennes destinées à rendre compte de l'actualité du jour. C'est le nom qui l'affirme, autrement dit le journal télévisé à démarrer le 29 juin 1949. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. La phrase n'a pas d'avis, mais la tête est beaucoup sur le jeu. En fait, c'est maintenant une position où il y a une centaine de 50 ans. Il disparut pour se donner à la fraction pure.
Une petite demi-heure, nous retrouverons cette page spéciale consacrée au Saint-Portail d'information télévisée avec ses reportages, les personnes qui ont un message en amont de la communication du matin. Et pour ce matin, nous retrouverons Christine Trent, Rose Hôtel et Sixte Plume. Mais tout de suite, place à l'actualité de ce jour, voici le titre que nous allons développer dans cette édition. Les adversaires du PAC se sont manifestés par la cette édition par la charge de Jean-Claude Lepax, bien décidé à se faire entendre, venu de province par Terre Gentil. Ils ont fait cet après-midi le Rive Paris, plus de 100 000 personnes, toutes générations confondues, pour dire leur hostilité au pacte civil de solidarité, un texte qui se défendait de toute récupération politique, mais qui comptait dans ses rangs de nombreux élus de l'opposition, à l'hôpital de l'Ambé. de ce grand débat de société, la défense de la famille, que se sont mobilisées ces générations qui passent, des familles entières portant des drapeaux et des flammes sous le soleil, qui réclament donc le retrait du projet de loi avant qu'il ne soit devenu par le Sénat au printemps, un des Sénats qui avait reçu le soutien de plusieurs associations religieuses de toute confession, une des rues à Belle-Jouès. Les ancêtres de loi avaient arrêté 4 ans. Le
pas longtemps de ces journées de protestation, la réaction de Jean-Pierre Sauvagnon, qui était l'invité de la conférence d'Artois, le ministre de l'Intérieur, fait d'abord lui-même le bilan de la manifestation. Donc, c'est un bilan de 240 personnes, je suis très heureux, puisque la sentence sur le portique que la police de police avait installé, c'est un moment, ça représente deux fois plus que stimulé par les services, mais deux fois moins que stimulé par les organisateurs. Comme il faisait bon, on peut dire que c'était avec un policier, au gouvernement d'Intérieur, en fait, on a répondu à la question, on parle de votre manifeste qui vient de l'équité. C'est une proposition de loi, pour rappeler, c'est une proposition de loi de l'Intérieur. Nous allons maintenant à cette opération de secours de la dernière séance pour venir en aide aux deux alpinistes britanniques bloqués par les Américains depuis mardi à 4 mm d'altitude, et notamment sur les zones dans des conditions difficiles ce matin. L'un des deux hommes âgés de 28 ans n'a pas survécu, l'autre est hospitalisé. Sur place, notre équipe a pu suivre cette opération de sauvetage. Jean-Yves Blanc, de Montréal. Sur le secours de la dernière à 4 mm d'altitude dans un bain de secouriste. L'homme qui bouge sur ses images vient d'être déployé sur le lac Sénital, balayé par des vents puissants. À ce côté, les deux alpinistes en bas, l'un dans son gouvernement, l'autre vit encore, c'est un miraculeux. Le secouriste a considéré le premier geste de secours, la lumière qui pouvait évoquer, c'est un mot qui parle encore, et qui a pu se préparer pour l'évacuation. On s'est dit très rapidement. Vendredi et samedi ont été repris les gendarmes avec un soulet dans leur opération, dans un moment très violent. Les deux alpinistes britanniques étaient bloqués depuis mardi sur la rade sommitale de droite. Une course particulièrement difficile n'y va. Les deux hommes expérimentés, bien équipés, se sont fait surprendre par les mauvais temps. La neige, le risque d'avalanche, les empêchent de redescendre. Ils avaient en face à une température de moins 30 degrés, jusqu'à moins 50 même sur les faubourgs. Les alpinistes de très haut niveau, mais parfois de débutants, visiblement très bien équipés. Vous savez, il y avait précédemment, notamment des gens qui ont fabriqué des choses comme ça, donc on sortait des maisons de traverse. On peut penser, les gens qui sont restés quelque temps dans une traverse, c'est vrai que c'est un expert assez extraordinaire. Au moment où sur l'hélicoptère, le distant de la course de la finale est un rodin, 30 ans. La température du secteur est descendue à 33 degrés. Les médecins de l'hôpital de Saint-Denis partent habitués dans des années vues de telles zones. Mais l'homme, grâce à son mental, a survécu. Je crois que nous sommes dans les écoles, devant l'université de Metz, les animaux, quand c'est pas les animaux qui ont été survécu, mais c'est pas possible. Mais certainement, nous n'avons pas très important, mais c'est pas possible, je crois que c'est un peu tard. John sera probablement écouté demain, le vécu. Mais le médecin estime qu'il n'aurait pas survécu à une sixième minute, à l'autre matin. Depuis deux avalanches se sont produites aujourd'hui, même près de Val d'Isère, un skieur alpiniste qui a été emporté. Il souffre de légères hypothermies. Actuellement, une personne se trouve dans un état critique après avoir été ensevelie près d'une demi-heure sous une coulée de neige. À Quimper, dans le centre-ville, un important incendie se propageait à plusieurs maisons. Parti d'un grand magasin de la ville, le feu a été maîtrisé en milieu de matinée. Une vingtaine de personnes ont été évacuées, on compte 8 blessés légers. Certaines maisons ont entièrement brûlé, mais les quelques demeures historiques du centre sont épargnées. Nous terminons à la CGT à Strasbourg le novembre dernier, signalant que lors de ce 46e congrès, l'organisation de Bernard Thibault, qui s'était initiée lors des grèves de 1995. C'est cet homme de 40 ans, c'est un négociateur, et résolument inscrit dans son époque, qui succède à Louis Vianney, de son discours d'ouverture, et le futur leader de la CGT à 2003, Laurent Paris, sa position. L'homme du jour aussi, c'est Bernard Thibault, qui va succéder dans quelques jours à l'actuel secrétaire général de la CGT, Louis Vianney. Et en Bretagne, nous sommes nous, propulsés sur le devant de la scène par les grèves de 1995, pour faire croire à la CGT le climat historique. Tout à ce moment, il a tenté de revenir en saison, mais au milieu de conflits sur l'Union de Strasbourg, Bernard Thibault est une société qui négocie, une société européenne, une société qui peut se faire aussi en concurrence avec les autres syndicats. Les avancées sociales ont toujours été dans la communauté. La division a toujours fait le jeu de stratégies personnelles. Lorsque les responsables syndicaux ne peuvent plus se faire en main, ce n'est pas très grave qu'ils se frottent le ciel. Et apparemment, le discours se dit. Au
différente aujourd'hui, la partie des réseaux universitaires, sauf que c'est donc de la gestion de complètement inutile. Et nous avons dit que nous avons dit que l'on peut donner aux promoteurs du projet. En plus de la place, si vous avez le projet de la vie, le syndicat de communes qui a conçu le projet vient d'obtenir le permis de construire, alors que l'État remet le dossier en plein, c'est un brebillot. Nous ne serons pas au début de 2002, puisque depuis plus de 18 mois, l'État, par l'intermédiaire du ministère de l'Environnement, n'a pas parlé de dossier. Depuis que ce fait le choix entre la construction d'une maison surdimensionnée ou son abandon ou transféré, 200 millions de francs ont déjà été dépensés. Madame, si se retrouve actuellement le chef d'État, les économistes, pour le Forum économique mondial, le Forum Arafat, arrivé aujourd'hui, réunit sur la proclamation de l'État de la Palestine, déclarant que la date du 4 mai est une date sacrée. Le président égyptien Hosni Moubarak, à Davos également, a souhaité que la lettre arabe de cette éventuelle proclamation permet pas de nous, dit-il, l'occasion à quelques extrémistes de craindre des problèmes. Il y a 20 ans, l'Ayatollah Khomeini, après 15 années de l'exil, a qualifié en provenance de Paris à Téhéran, une date anniversaire qui sera largement célébrée en Iran à partir de demain, c'est une cérémonie qui commémore l'effondrement de la monarchie, la chute du sang et le début de la révolution islamique. C'est parti. 16 janvier 1978, le ramène des Japonais, Saint-Durand, ont été régulièrement dans la révolution, exposé sur votre problème. C'est pour des millions de ramenés, cette remise de foi sur le design intérieur et celle de se réaliser à 78 ans. C'était de faire le jour à notre le chapeau avec la famille et la souffrance de ce tour dans le livre et le fond de la vie de tout le monde. Deuxième victoire, le premier février, à sa descente du Boeing de France qui le ramène à Téhéran après 15 ans de bénéficier, sans l'armée intérieure qui devra le protéger pour rassurer la vision de millions d'Iraniens, venus fêter ce mot qui, en quelques mots, a balayé 26 sites de l'énergie en Iran. Au nom d'un missionnaire révolutionnaire. Un livre laïque, marxiste, religieux, un instant de l'amour, oui, deviendra insurrection. Le 11 février, il y a une lecture à la date intervalle dans le sang de plusieurs centaines de martyrs. Depuis l'ascension du pouvoir, la révolution islamique va mobiliser autour de deux grands symboles, le châtel américain et le mur américain. Modèle en 1979, de l'histoire du pouvoir islamique, envahissant l'ambassade des États-Unis, dont le diplomate humilié restaurant des otages pendant 400 ans de temps. Septembre 88, comme une suite, on devait 121 victimes à un espace de temps exemple, plus de 600 000 victimes d'Iraniens. Mais en 89, la mère de Khomeini, accompagnée dans la famille, annonce pourtant le début d'un retour. C'est l'une des révolutions qui a liquidé des milliers d'opposants, bien par ce monde-là, c'est le niveau de la vérité. L'extérieur de Laurent Fauteur, qui en 89, n'hésite pas à se assassiner le dernier Premier ministre de son pays par an, ou condamné à mort une série britannique sans malheur à cause de blasphème. Au début de ce Parlement, dans la télévision, il y a des conservateurs qui ont mis la plupart des lois de l'État. Mais depuis 1997, l'élection s'occupe d'un religieux modéré, le président Fréthamon, témoigne d'un sursaut, celui d'une société civile où le moins de 30 ans de la femme vient décevoir le carton islamique. Comme l'année dernière, à l'occasion de la victoire des footballeurs de l'Union sur les États-Unis, la révolution semble mourir. La foule, cette société d'une triomphe de l'islam, mais la connaissance d'un droit, d'un nouveau ouvert sur le monde. Une page sportive avec le Grand Prix d'Amérique, la belle américaine Minimoteur a remporté facilement cette 78e édition, devant un peu 30 000 spectateurs à l'Ukraine de l'Ukraine. Il y avait rendez-vous à l'international, 30 000 spectateurs à l'Ukraine, mais surtout 30 000 diffuseurs, 100 000 de téléspectateurs, près de 78e prix d'Amérique. Alors cette année, nous avons sommé le 17 Minimoteur, la famille ici de l'Ukraine, à la connaissance de cette affaire aux États-Unis. Le record de Paris a été battu aujourd'hui en France, la barre de 250 000 francs à 4 ans. Le nombre de ce moment, c'est tout d'abord, il faut que la ville de Fontainebleau ait pas à faire cette mesure.
Le sujet était muet,
pendant que l'on reste dans une petite cabine et qu'on ne voyait pas les journalistes. Aujourd'hui, il y a des présentateurs fort compétents et fort élégants. Mais si tu arrives, je suis pour le moment, mais on y arrive pas ce parfois. Voilà, voilà, 50 ans. Et bien, un bon anniversaire pour les 50 ans du journal télévisé, pour les 5 ans, si vous voulez, nous en parlerons. Parce qu'il y en a pas nous. Il n'est pas prêt de se terminer, le journal télévisé. Faisait partie de l'équipe qui a créé le premier journal de télévision, projet qui est devenu l'un des présentateurs nouvelles. Et là, Virginie lui a posé à la manière de demander quelques questions sur le premier journal télévisé. Dès le premier journal télévisé, il ne s'est pas présentateur qu'un présentateur, avec le journal le plus surtout, parce que le journal télévisé est le plus important, 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 nous décidons de créer des dispositifs. Les questions étaient écrites sur des papiers et passées à la pauvre victime, ici à l'Inde-en-Bas. Par exemple, tout à l'heure, nous lui avons fait notre coup. Nous avons fait le chemin de la vie. Pour créer un premier journal télévisé, on se doit avoir apporté un groupe monsieur, par bien fait pour notre société ou un nouveau moyen d'information. Un monstre, ou un nouvel instrument. Mais nous répondons tout à fait parce que si je peux pas un nouveau moyen d'information, je vais vous dire, Et puis votre sort de propre pour un peu de l'air.
Normalement, les producteurs sont pas du bon matin pour leur contrôle de la maladie. Ils se modifient en avant, mais ils ne se modifient pas à son terme en ligne. Donc, à l'automne, c'est le mal. Non, c'est le mal. L'automne, il ne se joue pas ni, il ne peut faire tête, mais pas grave. Quand ça ne m'a pas été fait, il ne peut pas faire tête, il ne peut pas faire tête. On me dit, pendant une passion de l'année, le niveau est tête. Je prends le texte de deux, je change le texte pour le démarrer de mal, ce qui devait faire pour deux autres sujets. Pendant deux autres sujets, je vais faire un nouveau, mais il n'est toujours pas prêt. Parce que c'est pas sur le travail. Non, le travail n'est pas prêt. 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 Et tout le monde dit, il faut que j'ai trouvé ça, il faut que j'ai trouvé ça. Non, je ne veux pas, sans que le site soit fait pour vous aussi, j'espère à l'époque, vous êtes, ça fait une pointe, parce que quand tu fais, mais ça tire quand même. Donc, est-ce que le journal de ces 4 ans, les enjeux, c'est de l'eau dans l'air? Comment ça va le journal de l'eau, ça ne peut pas être le journal de travail, ou le fait du numéro 2, c'est le numéro 2, c'est le numéro 2, c'est le numéro 2, c'est le deuxième numéro 2, il n'y aura pas une version du journal de l'eau, donc nous allons commencer avec le deuxième sujet, et que nous allons passer le premier, mais surtout le premier, c'est le premier côté, le résultat des heures de compte, évidemment, pour vous, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a, vous avez tous les petits de science, c'est parce que vous êtes actuellement à vos côtés, Hervé Brésilou, qui a donc réalisé un document, d'ailleurs, le résultat de l'enfant, qui passe donc ce soir en deuxième partie de soirée, et donc, effectivement, vous avez évidemment le pionnier, et puis, vous soulignez une importance que le pouvoir a vu tout de suite dans ce nouveau résultat, c'est de l'enfant. Oui, les deux, c'est un peu, qui nous paraît bien vu quand même assez historique. Il y a aussi le cas de la concurrence, par une évolution technologique qui nous paraît assez loin. Et puis aussi, regardez les journalistes qui se constituent comme ça sous nos yeux, avec des moments tragiques comme la mort de Pichot-Saul, Meyer, et d'Europe, puis des moments de joie, des moments de regret. Mais surtout un journalisme qui a sa propre soirée, et c'est ça qui est l'objectif du document. Hervé Brésilou, vous avez fait tout à fait partie de la première équipe du Zénith, vous avez commencé ça comme commentateur sportif, ou en tout cas vous étiez attendu non, c'est pas le cas. Oui, je ne sais pas, c'est un peu comme Hervé Brésilou, mais pas la première équipe. Je suis aussi dans la réalité, pour 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 la réalité, Nous avons vécu, c'est un liste, c'est une personne,
on est dans la partie du tout, mais ça, c'est vraiment, le journaliste a toujours vécu ce sentiment d'être le meilleur, c'est-à-dire le plus rapide. Le premier relais de la nouvelle, le premier relais de la nouvelle. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans le l'immédiateté. Et ça, c'est dans l'immédiateté de l'immédiateté, ça n'est pas un peu le Belgique. Le Belgique de la membre de l'institution de la France. Le Belgique de la possible manipulation par l'image qui est peut-être plus dangereuse que certaines concessions ou orientations politiques qui est le plus qu'il y a là. Cette manipulation peut induire des comportements sociaux, collectifs, qui sont déterminés de vérité dans les gens. Oui, je crois qu'on est tous frappés également par la même chose, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus derrière sa propre technologie, mais je crois qu'on ne peut pas l'arrêter, je crois que ça change aussi la nature de l'échelle, je crois que les gens aujourd'hui s'informent de manière beaucoup plus diversifiée par eux, ils recoupent tous l'information, il reste toujours cet instrument de la vie qui est très puissant pour la télé, et ce qu'on voit aussi, me semble-t-il, c'est qu'on change beaucoup de rôle, c'est-à-dire qu'on reçoit notamment des journalistes qui sont encore plus étroits à la fois. Parce que les équipements se sont moins utilisés, on montrait tout à l'heure en portugais, c'est vrai qu'on peut maintenant fabriquer des sujets et les envoyer en peu de temps. Je crois que les filtres de vérification des équipements se sont un peu dépassés. Donc bien sûr, oui, ça va de plus en plus vite. Mais d'une certaine manière, il y a de plus en plus d'informations, de plus en plus de sources d'informations, et donc je crois de plus en plus de moyens d'équilibrer le sens. Le sens de l'existence, un sens pour lui, pour nous. Est-ce que vous le recherchez? Écoutez, une manière sérieuse de vous parler de jeu, une manière sérieuse de vous parler de jeu, c'est qu'on va l'écouter. Je pense que c'est un édifice, il faut savoir quitter pour retourner justement sur le terrain, reprendre les sensations, c'est mourir de nouveau, c'est quelque chose que j'ai fait pour la fête, mais pas parfois, c'est pour la tour de France. Merci d'avoir voulu te dire. Une question, c'est juste que nous avons une femme qui travaille à la semaine, qui parle de ça. C'est très bien. C'est très bien. C'est donc la fin de l'éco-condition de l'Europe de principe de titre. Je vais vous faire du texte sur le manifeste à Paris. Je vais vous faire du texte sur le manifeste à Paris.